suis-je? Ça n'a aucune importance, parce que quand j'en aurai fini, personne ne se souciera plus de vous ni d'aucune célébrité. À part moi, bien sûr. S'il vous plaît, non, je vais être en retard pour le tournage. Un peu sur ta droite. Ah, j'ai dit droite, bigorneau. Attention les filles. Se servir de ce genre de matériel sur le campus, c'est dangereux, Mandy. Oui, t'as failli nous écrabouiller. Et ça va servir à quoi tous ces trucs-là? Un dénicheur de talent vient à Maliou et je vais le subjuguer avec ma fabuleuse démarche de star. Elle est sérieuse, là? Marcher, c'est ça son talent? Il faut que je vois ça. Vous devez être Mandy. Oui. Musique, maintenant. Excellent, je n'avais jamais vu une démarche pareille depuis ma rencontre avec Elena Gorondova, la plus grande top modèle du monde. Ah, oui. Malheureusement, vous n'êtes pas Elena. Au revoir. Attendez, ne partez pas. Est-ce que je peux avoir une autre chance, mesdames et messieurs? Je savais pas que Groin-Groin savait trouver des trucs. Les filles, attention, whooping! Mes cheveux. Moi, si je ne m'en sors pas, bébé. Tu n'as pas le droit de dire ça, Johnny. Je me suis foulé l'ongle, c'est affreux, bébé. Et les médecins n'ont pas beaucoup d'espoir. Je veux que tu saches à quel point je t'aime, chérie. De train et de très loin, mon film préféré de Rad Smitt, il est tellement craquant. Rad est trop chou, c'est vrai. Mais je me demande pourquoi Jerry regarde ce film. Tout simplement parce que Jerry est très romantique. En fait, mesdemoiselles, ce film n'est là que dans le but de préciser votre mission. Un avis de recherche vient d'être lancé sur Rad Smitt. Tôt ce matin, il est parti faire un jogging et depuis personne ne l'a revu. Oh non Rad est en plein tournage du 4e volet de cette fabuleuse saga Sunset dans laquelle il est fantastique. D'abord, il y a eu l'amour dans la station de train, puis l'amour dans la station-service, suivi de l'amour dans la station de métro. Je me demande où peut se passer ce 4e volet. L'amour dans la station spatiale. Est-ce que vous pouvez imaginer la belle chevelure de Rad s'ébouriffant dans un univers en apesanteur? Je dirais sincèrement, non. Vous devez vous rendre à la villa de Rad pour trouver les indices. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Oui, donnez-nous nos gadgets et on part tout de suite. Vous aurez besoin de la bague modulateur de fréquence, de la montre bracelet Rotasie, du spray réfrigérifiant à l'azote liquide, le rouge à lèvres laser rouge rubis et les boucles d'oreillons diamant coupe vert. Oh, elles vont faire leur effet quand on rencontrera... Je veux dire, quand on sauvera Rad Smitt. J'en suis persuadé, Clover. Au revoir les Spice et bonne chance. Est la plus grande célébrité du monde entier. On peut pas juste aller à sa porte et appuyer sur la sonnette. C'est pour ça qu'on a le comme poudrier. Installateur de télévision par câble, c'est une excellente couverture, Sam. Et maintenant, comment on va faire pour franchir le système de sécurité ultra performant sans parler du garde du corps? C'est le moment d'utiliser le modulateur de fréquence que Jerry a mis dans cette bague. Je trouve ça incroyable de voir à quel point Rad conserve précieusement ses souvenirs de tournage. Cet endroit est un véritable musée. Et moi, je trouve ça incroyable de voir Clover essayer un vieux foulard tout défraîchi. La passion d'un cow-boy n'est pas seulement dans mon top 5 des films de l'année dernière. Il a a aussi complètement changé ma vie. Il m'a permis de réaliser à quel point les cow-boys pouvaient avoir un charme renversant. C'est sa récompense dans la biscotte d'or. Rad a reçu la biscotte d'or 3 ans d'affilée. On remet ce prix aux acteurs craquants. Oh, mais c'est dégoûtant de garder ces vieux bandages et de les exposer. Oh, c'est pas n'importe quel bandage, Sam. C'est le bandage du film qu'on a vu dans le bureau de Jerry. Il a permis à Rad de gagner son premier globe de platine. Ah, ça suffit, les Spies. On doit se concentrer sur les indices qu'on peut trouver ici. Vite, on se cache. Rad! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans mon placard tous les trois? On vient pour installer le nouveau câble qui doit permettre d'améliorer votre réception. Dites-nous, est-ce que vous allez bien? Vous n'avez pas l'air en forme. Je suis l'acteur le plus romantique de toute la planète. Pourquoi j'irai pas bien? Eh bien, pour commencer, vos chaussures, elles sont couvertes de boue et vous êtes à l'intérieur de la maison. Est-ce que vous savez d'où elles peuvent venir? Sans parler du fait que tout le monde croyait que vous aviez disparu. Comment je pourrais avoir disparu alors que je me tiens juste devant vous? Je trouve que vous savez beaucoup de choses pour des installateurs de câbles. On est vos plus grandes fans. Est-ce que vous pourriez faire votre super geste pour moi? Mon super geste? Mais... On peut vous expliquer. On lui a déjà tout raconté. Au revoir. Je veux voir la montre au bracelet Rotasie en action. Beau travail, Clover. On l'a échappé belle cette fois. C'est le robot le plus mignon que j'ai jamais vu. C'est le robot ami de Rad dans son film mémorable La Passion de l'espace. Je retire ce que j'ai dit. Il n'est pas mignon du tout. Oui, il n'était pas mignon dans le film non plus. On va pas se laisser impressionner par un tas de boulons qui veut faire sa loi quand même. Il va voir de quoi on est capable. Les filles, le balcon, on doit pouvoir s'échapper par là. En tout cas, ça c'était pas du tout dans le film. Pas de panique, le spray réfrigérifiant à l'azote liquide devrait lui rafraîchir les idées. Quand même bizarre. T'as raison, c'est comme si Rad avait perdu tout son romantisme et toute son assurance. Ouais, Rad avait une attitude un peu étrange. Un peu, tu veux dire très étrange. Il savait même pas quel était son super geste, celui qui l'a rendu célèbre. Et il pouvait pas se souvenir non plus d'où venait la boue qu'il avait sur ses chaussures. Ni même qu'il avait été porté disparu. Je vais envoyer la boue à Jerry, ça peut nous donner des indices. Et on va lui dire que Rad est rentré chez lui. Ça me fend le cœur de quitter Bel Air, mais il faut qu'on retourne en cours. C'est de l'autre côté, Clover. Laisse-moi deviner. Tu t'apprêtes à faire un discours pompeux pour vanter tes qualités et tes talents? N'importe quoi. Heureusement, je me suis débrouillée pour convaincre le dénicheur de talent de me donner une autre chance. Et ton affreux cochon ne m'a pas rendu la tâche facile. En parlant de Groin-Groin, tu l'as pas aperçu dans le coin? Non. Et veille à ce que ce ridicule Groin-Groin ne croise pas mon chemin. Oh, ah oui, je cherche une actrice très sérieuse avec une sérieuse dose de talent. Sérieuse? C'est tout moi. Oh. Tenez. Avez-vous entendu l'effroyable nouvelle? Ils ont détesté mes dessins. Je n'entrerai pas dans cette école de stylisme. Jamais je ne pourrai réaliser mon rêve de devenir une styliste mondialement célèbre. J'en ai vu suffisamment, bonne journée. cochon va finir en rondelle de saucisson! Oui, ça c'est de la réplique bien sentie. Bonjour mademoiselle. Ne me dites pas que vous avez déjà les résultats d'analyse de labo? Malheureusement, j'appelle pour un problème bien plus grave. Le jeune chanteur international Jason Wibler vient de disparaître à son tour. Oh non! Pas le Jason Wibler! Oh, je suis tellement fan de son dernier disque! Chérie, 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 oh! Et ce n'est pas tout. Il y a eu une tentative d'enlèvement sur la star du football espagnol, Alessandro. Oh, Alessandro, c'est le sportif qui me fait le plus craquer. Personne ne frappe le ballon comme Sandro. Oui, mademoiselle, je vous envoie en Espagne immédiatement, au cas où une autre tentative d'enlèvement le menacerait. Bien sûr, Jerry. Et en partant? Pourquoi pas maintenant? Ah! Chose à faire, se fondre dans le décor. C'est bizarre, on dirait que son ballon est truqué. Non, mon ballon porte-bonheur. Alessandro a vraiment un talent fou pour défier la pesanteur. On doit lui venir en aide à attraper ses ballons. Posez-moi par terre. Au secours, aidez-moi. Qu'est-ce que tu as, Sam? On dirait que tu as vu un fantôme. En quelque sorte, oui. Il y a le logo CH sur la carlingue du dirigeable. Ça me semble très familier. Mais j'arrive pas à me souvenir de quoi il s'agit. On a de mauvaises nouvelles, Jerry. Le méchant vient tout juste d'enlever Alessandro. Oh non! Rien de neuf pour la boue? Cette boue vient des collines d'Hollywood. Vous allez vous y rendre et voir si vous pouvez découvrir de nouveaux indices. C'est une bonne idée, Jerry. Si quelqu'un voulait que Rad soit traîné dans la boue, il aurait mieux fait de regarder Star de Bel-Air. Attendez, je crois que j'ai quelque chose. C'est par là. Je suis certaine que ces empreintes appartiennent à Rad Smitt. Ah oui? Et comment tu peux en être aussi sûre, Clover? Pendant qu'on se cachait dans son placard, j'ai regardé ses chaussures et ses semelles. Il avait 6 paires de tennis identiques à celles qu'il portait. J'ai repéré la taille et la forme. T'es la reine des détectives, Clover. Mais ça nous explique pas pourquoi les empreintes disparaissent d'un seul coup. Non, mais ça, oui. Une trappe dans le sol. Montre bracelet Rotasie, à toi de jouer. Incroyable, une cachette souterraine. Non, c'est pas seulement une cachette, c'est une véritable demeure souterraine de grande classe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Jason Wibler. Alessandro. Je crois que je viens de comprendre ce que le logo CH écrit sur le dirigeable voulait dire, Sam. Capitaine Hayes! J'aimerais dire que c'est un plaisir de vous revoir, mes chères petites espionnes fouineuses, mais je ne le dirai pas parce que je ne le pense pas. Laissez-moi deviner, vous nous préparez encore un plan démoniaque à cause de votre obsession du culte des célébrités? Vous devriez vraiment vous faire examiner par un médecin. Belle tentative. Mais j'étais fatigué de ne faire que traîner autour des célébrités, alors j'ai décidé qu'il était préférable que j'en devienne une à mon tour. Et vous devriez pas être un peu connu pour devenir une célébrité? Ce n'est qu'un petit détail technique. Grâce à ma fantastique machine qui vole le talent des plus grandes stars du monde, je n'ai rien à craindre. Vous avez volé le super geste de Rad, j'y crois pas! Vous êtes un monstre! J'ai aussi volé le merveilleux talent d'acteur de Rad. Bientôt, je chanterai avec l'incroyable voix de Jason Wibler et j'aurai le style inégalable d'Alessandro. Et tout ça n'est qu'un début, bien sûr. Chérie, 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 ouh, ma chérie, 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 chérie. Ouh, reste près de moi. Oh, mais je ne crois pas. Capitaine Hayes est un chanteur de talent et un footballeur génial maintenant. Sans oublier qu'il est vraiment irrésistible. Mais il est hors de question de se faire avoir. Ravi que ça vous ait plu. Bon, si vous voulez bien m'excuser, l'heure a sonné. Quand ma demeure jaillira au grand jour, ils donneront un nouveau nom à cet endroit. Les collines Hayes. Et tout ça grâce à mes incroyables talents. Qu'est-ce qu'il veut dire par « quand ma demeure jaillira au grand jour » ? Va savoir. La plupart des méchants à qui on a affaire sont complètement zinzin. Allez, venez les filles, on doit faire face à un quadruple problème. Un chanteur, acteur, joueur de foot qui en plus est totalement hystérique. Oh ! Mais malheureusement, cette cage est faite d'un composé de carbone aussi solide que le diamant. Quelle chance! Rien ne coupera mieux ce faux diamant que mes boucles en diamant couverts. Regardez. Beau travail, Clover. On va aller libérer Jason Wibler, Alessandro, et puis on mettra un terme à l'horrible plan du Capitaine Hayes. Oui, bien dit, on te suit, Sam. Oh, vous êtes encore plus mignon pour de vrai. Je pourrais avoir un petit autographe? J'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais c'est pas le moment de craquer. Eh oh, il y a un méchant international qui dévale ses escaliers. Oh non, on dirait que c'est un tremblement de terre. Vite, on doit empêcher ce voleur de talent de briller parmi les célébrités. Ça explique clairement pourquoi tout tremblait. Et ça nous explique aussi le mystère de la demeure qui jaillira au grand jour. Le Capitaine Hayes va faire son entrée dans le monde des célébrités en même temps que sa pyramide. On doit l'arrêter avant qu'il démolisse à tout jamais les célèbres collines d'Hollywood. Malheureusement, vous arrivez trop tard pour ça. Est-ce que vous savez que Rad jouait le rôle du plus célèbre des artistes de cirque dans un de ses nombreux films? Bah oui, bien sûr que je savais. Je croyais seulement que c'était des effets spéciaux. Considérez que vous avez beaucoup de chance. Vous allez être au premier rang pour assister au début du très bientôt célébrissime Capitaine Hayes. Ce numéro est archi nul. Ouais, je demande à être remboursé. Alex, tu crois que tu peux atteindre ma poche et attraper mon rouge à lèvres laser? Et je crois que oui. Oh non! Je l'ai! Bravo, c'est génial, Clover. Il faut qu'on immobilise cette soi-disant idole. Chérie, 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 oh, reste près de moi! Je reviendrai. Oh, j'adore cette façon de refroidir les ardeurs de cette fausse étoile montante. Salut les Spice. Encore une mission menée à bien. C'est difficile d'exploser de joie face aux collines d'Hollywood dévastées. Ne vous en faites pas, une équipe de nettoyage du groupe est en train de s'en occuper. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver à ce manipulateur de Capitaine Hayes? Il va aller tout droit dans la prison du groupe, où il ne connaîtra la célébrité que pour ses actes criminels. N'oubliez pas de rendre à Alessandro son super talent. Son équipe est en demi-finale la semaine prochaine. Oui, oui, nous allons aussi rendre sa belle voix à Jason Wibler et ses talents d'acteur à Rad Smitt. On ne voudrait pas priver le monde de l'amour de la station spatiale. En parlant de ça, vous pourriez nous avoir des places au premier rang pour la première de son film samedi prochain? Chérie, chérie. Oh, je suis sûre qu'il va s'en occuper. C'est votre toute dernière chance, Mandy. Croyez-moi, je peux vous jurer que vous ne serez pas déçus. Mais la musique! Chérie, 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 oh mon chéri, chéri, oh chéri, 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 oh mon chéri, chéri. J'en ai assez vu, hein. Vous voulez dire que vous en avez assez entendu, c'est ça? À qui appartient ce prodigieux petit cochon? Il a un parfait sens du timing, je veux lui faire signer un contrat. Ah, il s'appelle Groin-Groin. Groin-Groin va être plus célèbre que Jason Wibler.